Angelica, Marta. Je m'appelle Nathalie. Martina. Canal Puri. Canal Purpri. Canal Purpri. Info. TV. Pace Bergerac. Purpri. Canal Purpre. Canal Purpre, TV Pays Bergerac. Canal Purpre. Info TV Pays Bergerac. Canal Purpre. Info TV Pays Bergerac. Nous venons donc de recevoir, puisqu'il s'agit d'un échange, un groupe de jeunes polonais qui ont effectué leur stage ici à Bergerac. Tout cela s'est passé dans d'excellentes conditions. Les jeunes sont ravis des conditions d'accueil, de la période culturelle, puisqu'ils ont aussi, au-delà de leur stage, découvert tout l'aspect culturel de la Dordogne, historique, économique et social. C'est un grand succès. Nos élèves partiront au mois de novembre en Pologne effectuer leur période de formation en milieu professionnel dans des entreprises à Kartuzin, donc. Si l'on regarde ce qui s'est passé l'année dernière, ce fut aussi un grand succès. Nos jeunes élèves ont passé 5 semaines, ont été accueillis de façon remarquable, absolument, avec beaucoup de chaleur, de fraternité par nos amis polonais. Et pour tout vous dire, autant à l'arrivée, ils étaient un petit peu angoissés de passer 5 semaines loin de leur famille. Au bout de 5 semaines, ils ont pleuré à l'idée de quitter les lieux. Ce stage de formation a été un grand succès. Ce stage de formation leur permet de découvrir l'Europe, leur permet de travailler et d'effectuer leur stage en milieu professionnel ailleurs que dans notre belle région de Bergerac ou d'Aquitaine. C'est une chance puisque ces jeunes élèves seront amenés au cours de leur carrière à effectuer des stages ou même à travailler à l'étranger. Aujourd'hui, si l'on regarde l'expérience de retour que nous ayons par rapport à nos élèves en fin de formation, beaucoup d'entre eux vont à Berlin, en Pologne, en Espagne, en Italie, à Shanghai. Voilà. Donc ces stages de formation en milieu professionnel à l'étranger sont une chance. D'autant plus qu'ils sont entièrement financés grâce au secrétariat franco-allemand pour l'Allemagne, au programme Erasmus+, de la Commission européenne pour les commerces donc, qui vont en Pologne, et ceux qui vont en Italie, puisqu'on a aussi des jeunes qui vont en Italie. Il faut savoir, et c'est peut-être là aussi tout un honneur pour l'école républicaine. En termes d'égalité des chances, les familles ne supportent aucun coût puisque la totalité des frais de déplacement, d'hébergement et de séjour sont prises en charge grâce au financement d'Erasmus+ ou du secrétariat franco-allemand. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'étais gants de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparais seulement
accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus, des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire, dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément, j'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murettes. Bonjour, donc on est à Fly, à Bergerac, donc j'aimerais que tu te présentes et que tu nous expliques un petit peu dans quelle mesure tu participes à ce projet, donc Leonardo da Vinci, projet européen. Voilà, à toi. Bonjour, je me présente, je m'appelle Christy Giudici, je suis actuellement au lycée Jean Capel en terminale commerce, j'ai 18 ans et je fais mon stage à Fly de Bergerac avec deux correspondantes polonaises, une qui s'appelle Martina et l'autre qui s'appelle Natalia. Le stage se passe très bien, elle travaille très bien, on communique en anglais. J'ai participé au voyage de Pologne pendant un mois, d'une durée d'un mois, qui s'est vraiment très bien passé. J'ai très apprécié le voyage, j'ai fait de très belles découvertes. Hello, I am Natalia. I am Martina. And we're from Poland. And we stay in France on 2 weeks. Yes, we work in Fly. It's very good. In Fly, people is very nice, and and Christy is very nice. And last week we went in Bordeaux and Sarlat. Yes, it's very beautiful place. Yes, and old town. And good. It's very nice. Yes. Bonjour, je m'appelle Joanie, je travaille chez Fly depuis un an. Je suis hôtesse de caisse et je fais de la mise en rayon. Je suis très contente d'avoir reçu deux Polonaises parce que moi j'aurais adoré faire ça. Oui, je trouve ça très constructif et savoir notre mode de fonctionnement aussi en France. C'est vrai qu'apparemment la Pologne et la France c'est assez différent dans le travail, donc je trouve ça très très bien. Bonjour, je suis donc Grégory Benoab, le directeur du magasin. J'ai accueilli donc pendant 15 jours Hubert, qui nous a rejoint, donc qui est un élève qui nous vient de Pologne, en binôme avec Thomas Desplat, qui est donc au
lycée Jean Capel à Bergerac. L'idée de ce binôme et de ce partage, c'était pour moi de pouvoir faire connaître à mes collaborateurs une culture différente à travers la venue d'Hubert, de leur permettre également d'échanger en anglais, puisque c'est une langue qu'on pratique peu dans le magasin, sauf quelquefois avec des clients anglais, surtout l'été. Et pour Hubert, l'idée était pour lui de découvrir aussi une nouvelle culture, une façon peut-être différente de travailler de ce qu'il peut connaître en Pologne, et découvrir également nos méthodes de travail qui sont propres à notre enseigne et qui peuvent être variables et différentes dans d'autres magasins. Voilà, donc je pense qu'il a pu ainsi appréhender le métier du commerce dans les magasins de sport, qui est peut-être un petit peu différent de ce qu'il peut rencontrer dans son pays. Et en tout cas, d'après ce qu'il m'a dit, il vous le dira lui-même, il est plutôt enchanté de ce stage et des échanges qu'il a pu avoir avec l'ensemble de l'équipe, puisque l'idée de sa venue aussi a suscité pas mal d'interrogations de l'ensemble des collaborateurs du magasin. Et après coup, toutes ces interrogations ou ces inquiétudes éventuellement ont pu être mise au rebut, puisque tout le monde a bien échangé avec lui, l'a pris un petit peu sous son aile pour faire en sorte qu'il soit aidé et qu'il puisse facilement avoir accès aux différentes informations dont il a besoin pour s'épanouir dans le métier, dans les missions qui lui sont conférées. Voilà, donc un échange à renouveler. Hello, my name is Hubert and I'm so happy that I can work in this shop. It's a very good experience. And you know, people here are so kind, nice, and I'm so glad that I can see how look a work in sport, huge sport shop in France. Thank you. In the weekend I was in Bordeaux and Sarlat, and Bordeaux is a very nice city, huge, beautiful city. And Sarlat is, for me, is better city than Bordeaux because it's really pretty, small, and you know, nice. when I have the money and time, I want to come back to this place. Au revoir. Donc tu as participé à l'échange franco-polonais récemment. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes impressions par rapport à cet échange, que tu as travaillé avec Zacharias, donc qui était avec toi en stage chez Jules. Je trouve ça bien, sachant que nous on est parti en Pologne la première fois, donc voilà, il y a eu un échange. Je trouve cet échange bien. Ça nous a appris une nouvelle culture en allant en Pologne, de même, je pense. Donc voilà, et je trouve ça bien. Moi je lui parlais en anglais, il comprenait, je le comprenais. Bon, il y avait des fois où je le comprenais pas forcément, mais on arrivait toujours à se comprendre d'une façon ou d'une autre. Est-ce que ce type d'expérience, ce type d'échange te donnerait éventuellement envie d'aller travailler à l'étranger après ton bac, ou de refaire un stage là-bas peut-être de 6 mois ou plus? Bien sûr, j'aimerais bien faire mes études à l'étranger plus tard. Donc après, je pense que c'est intéressant d'aller faire ses études à l'étranger. Voilà, il y a... Sachant que grâce à cet échange-là, voilà, on a eu un diplôme aussi. Donc je pense, pourquoi pas, j'aimerais bien aller en Europe ou dans un pays étranger faire mes études. Hi everyone, my name is Philip and I come from Poland. I'm 18 years old student, and Bergerac is a very beautiful town, and I was very happy that I could come here to my friend and see a lot of beautiful monuments. I hope that I could come next year and with my family and show them that could I see here. Bye everyone. Hello, my name is Magdalena Fritt. I'm Claudia Kaminska-Zwara. All right, what are you doing in France? Well, so we are taking part in a work placement, yes, of our students. We should take care of them. Is it the first time you come to France?
No, it's my second actually. I was here 4 years ago. And what do you do all day? Do you have special activities you could talk about? Yes, we have very important meetings with very important people. Okay, that sounds to be a very friendly situation all around. So when will you be back to Poland? On 3rd, on Saturday. So the 4th. So in 3 days' time. All right, I see. So the two of you are on your own in this place. So it sounds like a lot of fun to me, isn't it? Well, it is a lot of fun, but no, we stay with 16 students. How old are they? The students or children are 17, 18 years old. Okay, and what do they think about their stay here? Well, I think they love it. What are your plans for tonight? We are going to meet our students in the evening, have supper, chat, and maybe see our French friends. Okay, so you have French friends? Yes, we do. One is speaking to us right now. All right, okay. So very important people doing very important things. Extraordinary. What's the name of your project, by the way? Well, to jest Otwieram Twoje Okno na Świat, staż techników ze wzgórza w Anglii, Francji. Okay, wow, that sounds good. Thank you. Have a nice evening. Bye-bye. Monsieur Axel Pironi, j'ai 18 ans et je suis au lycée Jean Capel en terminale. Je suis en stage pour exercer peut-être mon futur métier de vendeur. Oui, c'est une Polonaise, elle s'appelle Alicia, elle travaille avec moi pour le cadre d'un stage. Voilà, donc tu viens de me dire, Axel, que toi-même tu es allé faire un stage en Pologne l'année dernière. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à cette expérience, tes impressions? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que c'était intéressant à la fois sur le plan professionnel et sur le plan perso? Ben, on va dire que j'ai été en Pologne, j'ai été sélectionné pour aller en Pologne. Donc au début de la Pologne, je parlais pas anglais du tout. Et au fur et à mesure, ça m'a forcé à parler anglais. En même temps, découvrir la langue et les traditions polonaises. Donc du coup, à la fin, je suis sorti, je parlais pratiquement... je parlais super bien l'anglais, quoi. J'étais vraiment content. Et qu'est-ce que tu as pensé du pays en lui-même? Est-ce qu'il y avait une différence entre l'image que tu te faisais de ce pays et la réalité que tu as découverte là-bas? Ben, je pensais qu'il ferait beaucoup plus froid et ça allait. Par contre, faut savoir manger des patates. My name is Alicia. I'm 18 years old. I live in Poland and in Kashuby region and it's city Żukowo. I'm here because it's a school exchange. I work here and I think it's a great shop. Because it has a lot of sport accessories and clothes, and that's kind of my thing because I love it. I do here it everything. I put clothes, I get stamps with prizes, and I help Axel and other people at everything. Okay, so you've got a French partner with you. Excellent helper. He explained me everything. He always laughs at me when I don't understand. So yeah, he helps me a lot. Do you teach him some Polish words? And does he teach you some French words? Yeah, he teaches me and I teach him. But he knows a lot of Polish words even without my help. All right, yes, because he went to Poland last year, I was told. Okay, what did you do last weekend? I was at Bordeaux. In excellent city, very beautiful, a lot of shops, a lot of beautiful views, and in Sarlat we was at castle, great, awesome castle. I really love that kind of stuff because I like history too, so that was perfect for me. And we visit a lot of shops, a lot of we saw a lot of views. Like, okay, thank you. Will this experience be important for your future professional life? Of course it will be, because now I'm not scared to get in another country with another language, with people that I don't know, places. So yeah, I think it will be very helpful. Okay, and one last question, please. Would you like to be back to France for vacation, for example, for holidays? Of course, I will be back. It's excellent here. It's great weather, great people, great atmosphere. I'll be back.
Thank you, Alicia. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Caroline, donc je suis vendeuse donc à Sport 2000, donc de jeunes dynamiques qui parlent très bien l'anglais, donc ça correspond tout à fait à notre clientèle qui est aussi en partie anglaise. Ils se sont très bien intégrés à l'équipe, travaillent un peu en autonomie dans le magasin. Voilà, ils participent à la vie de l'entreprise. Très bien, donc il s'agit d'un binôme de stagiaires donc franco-polonais, donc avec Axel qui est élève au lycée Jean Capel à Bergerac et Alicia donc qui vient du lycée de Kartuzy donc en Pologne. Voilà. Est-ce que vous pensez que cette expérience peut aider ces jeunes gens dans leur vie professionnelle future ? Oui, je pense que ça peut les aider à s'ouvrir aux autres. Ils voient d'autres expériences, surtout pour Alicia qui voit une autre nationalité, qui doit faire des efforts pour discuter avec nous et se faire comprendre. Donc oui, je pense que c'est très positif s'ils veulent travailler voilà, avec plein de gens différents. C'est super. Merci beaucoup. Je vais vous poser une dernière petite question, peut-être un petit peu plus délicate. Donc on aimerait savoir de manière très officielle si Axel a arrêté de fumer pendant le service. Merci de nous dire la vérité, s'il vous plaît. Non, Axel n'a pas arrêté de fumer, non. Merci beaucoup. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Guillaume Combe, responsable du magasin King Jouet à Bergerac. Nous avons reçu effectivement pendant la période un jeune Polonais. Donc c'est vrai que cette expérience a été assez enrichissante, du coup, que ce soit pour le magasin et pour les personnes qui étaient là, hein, donc le stagiaire plus le stagiaire polonais. C'est vrai que c'est une expérience qui était assez nouvelle pour moi en tant que responsable de magasin, parce que j'avais jamais eu l'occasion d'avoir quelqu'un d'étranger, vraiment d'étranger, qui viennent dans les magasins. Les stagiaires, un peu d'expérience, on sait déjà quoi leur faire et on a déjà une trame qui est assez préétablie. Là, le fait d'avoir un échange avec un jeune européen, ça oblige à se mettre à niveau et donc d'appréhender un peu différemment les choses. Donc du coup, ils ont eu l'occasion de faire pas mal de choses sur le magasin, parce que le magasin est relativement grand et ça leur permet de découvrir vraiment comment on travaille dans un premier temps en France, quelles sont les méthodologies de travail et ensuite de se mettre à niveau par rapport à ce qu'on attend des stagiaires, nous, dans nos entreprises. Après, pour les stagiaires qu'on a, nous, les stagiaires français, je pense que c'est une expérience qui est très, très enrichissante, parce que ça permet notamment de les mettre dans le cadre où c'est eux qui retranscrivent les infos qu'ils ont reçues et les connaissances qu'ils ont acquises. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui les met vraiment dans la situation qu'ils pourront peut-être exercer dans le futur, c'est-à-dire la transmission des informations. Je veux dire de plus, c'est vrai que c'était une expérience assez originale, mais très très enrichissante pour je pense l'ensemble de l'équipe du magasin et pour toutes les personnes qui y ont participé. Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis au lycée Jean Capel, j'ai 19 ans et je suis en stage à King Jouet. Salut Maxime, j'ai remarqué que tu avais un jeune collaborateur avec toi avec lequel tu parlais anglais. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus ? Oui, c'est Oscar. Alors en fait, notre lycée est en collaboration avec un lycée polonais. Et donc on fait un genre d'échange où nous, on est allé en stage là-bas un mois et eux viennent en stage ici aussi. T'es allé en Pologne l'année dernière, c'était bien. Qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience ? Est-ce que c'était différent de la France ? Parle-nous un peu de cette expérience-là de l'année dernière. Alors c'est différent de la France, oui et non. On fait le même travail, mais différemment. Ok. Et est-ce que tu as eu l'occasion de découvrir le pays ou est-ce que tu n'as fait que travailler dans un magasin ? Alors non, on a beaucoup visité, le week-end surtout, et les Polonais nous ont montré pas mal de leur paysage. Ok, d'accord. Donc là, en fait, tu participes à l'autre phase du projet où tu reçois donc le jeune Oscar, je crois qu'il s'appelle, qu'on va interroger aujourd'hui. Comment ça se passe, cette collaboration ? Ça va ? C'est facile de parler anglais dans un magasin ? C'est facile. Au début, c'est un petit peu gênant, mais on s'y fait plutôt vite et c'est enrichissant même. Ok. Est-ce que tu penses que ces deux expériences, donc à la fois ton stage en Pologne de l'année dernière et le fait d'accueillir le jeune Polonais également ici, est-ce que ce sont des expériences qui vont te permettre d'évoluer favorablement dans ta carrière professionnelle ? Est-ce que c'est un plus pour toi dans ce domaine-là ? Oui, ça nous permet de pratiquer la langue anglaise, donc forcément
prendre un peu d'expérience pour ceux qui aimeraient partir plus tard à l'étranger. Ok, merci Maxime, au revoir. Au revoir. Hello, I'm Oscar Beer. I come from Poland and I work here for 2 weeks as I'm doing apprenticeship with France and I'm staying at Europe Hotel in Bergerac. Okay, so I see you speak English. Can you speak French? No, I'm sorry, but I would love to, but no. So is it easy to communicate with your partner, Maxime? We work it out always. Sometimes we have to use translator, but it's for me and for Maxime, we always get to each other, so it's not that problem. Okay, so what do you think about your work here? Is it difficult? Is it easy? Could you tell me about your impressions about your work, please? It's not really difficult, but it's not really easy. It's like different, I would say. But it's always experience for me, so I just have to get used to it and see how you do it in France. So. Okay, so your specialty is advertising. So do you think it will be a plus for your future professional life? I'll see the difference between Polish advertising and here. So I already know some difference. Like in Poland, we already make the discount on the price, and here you leave the price and just on the checkpoint is like the discount counted. So it's the first difference that came to me. So. Okay, so could you tell us about your last weekend, please? We were in Bordeaux and Sarlat and the places like near them when we were driving. So we saw the... how was the big... dune. Yeah, dune, like big dune, like it was 105 meters to... Nice, yeah, really nice view to the ocean and to the bay. And it was like really beautiful. We don't have, we have really, Poland is really nice, but it's different here. But I really like it, I really enjoy it. So it's really like beautiful to me. Okay, would you like to go back to France for personal reasons, for example, holidays or whatever? I'd love to. I already said to my family and my friends that we have to come to Sarlat. Because it's a really amazing place. It's really, the views are like breathtaking. It's like really the castles on the rocks, like on the mountains, really great. I really enjoyed that view. Okay, I understand. So thanks very much and goodbye. Au revoir. Au revoir. Thank you. Superbe. Bonjour, donc Adeline, je suis la responsable adjointe donc du magasin Pinky à Bergerac. Et puis voilà, ben nous avons été ravis de pouvoir participer à cette expérience avec le lycée Jean Capel. On a eu une petite stagiaire polonaise qui, ma foi, était très sympathique, très pétillante. On a été très contents d'elle et de son travail. Maluna était très souriante, beaucoup d'efforts envers les clientes, elle a vraiment joué le jeu à fond. Elle a parlé français, elle a fait voilà, beaucoup d'efforts pour parler la langue française. Et puis, c'est vraiment bien adapté à l'équipe, à bonne intégration. Je pense très enrichissant pour elle, et aussi bien pour elle que pour nous, parce que c'est vrai qu'on a pu voir comment travailler aussi des gens dans notre pays. Et non, c'était très très sympa. Voilà. Pour compléter votre propos, donc, est-ce que vous pensez que ce type d'expérience peut apporter quelque chose sur le plan professionnel, donc à ces jeunes gens qui vont faire des stages dans un autre pays européen notamment, et à l'étranger en général? Bah oui, ne serait-ce que pour voir comment le travail s'effectue ailleurs que chez eux, hein, et puis peut-être aussi pour les obliger à parler une autre langue, l'anglais en l'occurrence, là, parce qu'on a beaucoup parlé anglais avec elles. Voilà, et puis ne serait-ce que pour voir comment on vit en France, ce qu'on mange en France, ce qu'on lit en France, voilà, ce qu'on fait en France. Voilà, donc c'est vrai que c'était enrichissant pour notre binôme, pour nous, et puis voilà, elle nous a un petit peu raconté comment elle vivait chez elle. Ne serait-ce que le climat qui est différent, voilà. Donc c'était enrichissant pour tout le monde. My name is Malvina. I work in a shop called Pimki.
and good work, uh-huh. I think. Do you like it? Yeah, I like this. Uh-huh. And people work. Uh-huh. Yeah. Perfect. Do you speak French? Little. Je m'appelle Malvina, j'ai 18 ans, je viens de Pologne. Okay, uh-huh. What do you think about France? France is okay because it's hot, I like hot, and people is good. Yeah. Uh-huh. Okay, so thank you. Au revoir. Au revoir, merci. Oui, bonjour. Donc Magali, responsable de magasin. Voilà, j'ai eu Martha en stage ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos impressions par rapport à son travail ou même au niveau de l'expérience en termes de partage de différentes cultures ou est-ce que vous avez découvert des choses par rapport à sa culture à elle? Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter ensemble au-delà du travail? Alors, le stage en soi s'est quand même très bien passé. Martha, c'était une ado qui s'est investie, qui était assez curieuse. Même s'il y a le problème de la langue, ben, on a essayé par nos propres moyens de parler un peu, par des gestes au départ, et puis après ben, par l'anglais aussi. Donc après, elle nous a un peu parlé de sa région, il a posé beaucoup de questions, donc, et inversement. Donc le stage en soi, ça a été très bénéfique. Je le referai sans problème. Et Martha, je pense qu'elle elle a très apprécié aussi. Je l'ai en contact sur Facebook, elle aimerait revenir. Donc voilà ce que je peux dire. Est-ce que vous pensez que ce type d'expérience peut être bénéfique donc pour les jeunes gens qui vont faire des stages à l'étranger, donc sur le plan professionnel? Alors oui, je pense vraiment que ça peut être bénéfique parce que ça leur permet de voir autre chose par rapport à leur pays. Et de voir comment aussi nous, en tant que dans le commerce, comment on travaille. Parce que moi, je vois avec Martha, on a parlé de l'école et je vois qu'en fin de compte, les stages ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en France. Et de toute façon, c'est une bonne expérience, autant pour elle, autant pour nous. Super, merci. Bonjour, je m'appelle Mathilde Carraro et j'effectue mon stage dans l'entreprise Mado et les autres, donc à Bergerac. Voilà, ça fait depuis le mois de juin que je suis là et tout se passe très bien pour le moment. Alors oui, tout s'est bien passé, on a parlé anglais, bon au début c'était un peu compliqué, on parlait avec un petit peu les gestes et tout. Après c'est venu par la suite, elle s'est beaucoup investie, elle prenait plaisir à faire ce qu'on faisait dans le magasin, à installer les habits, enfin elle prenait plaisir à faire ce qu'on lui demandait. Et ça s'est très bien passé. Est-ce que tu lui as appris des petits mots sympas en français et est-ce que tu as appris du polonais un petit peu? Alors oui, parfois avec Martha, quand il n'y avait pas beaucoup de personnes, apprenait le français et elle m'a appris un petit peu quelques mots en polonais. Est-ce que cette expérience t'a donné envie, toi par exemple, d'aller travailler peut-être à l'étranger, faire un stage après le bac notamment ou après une poursuite d'études? Ça me donne envie, oui, si j'ai la possibilité, pourquoi pas, oui. Je pense que c'est une expérience à vivre en étant là-bas. I'm Martha and I'm from Poland. All right. Well, what are you doing in this shop? I work here. Okay. So what did you think about this experience? Was it interesting for you? It's really good experience. Uh-huh. What do you think about France? France is the best uh-huh. country. So what did you prefer here in France? What did you prefer? Everything. Everything. Okay. Do you think you'll be back for a holiday? Of course. Uh-huh. All right. Well, thank you for your time and au revoir. Au revoir. La posición de los astros me dice. Je suis Madame Thibault, responsable du magasin Rouge-Gorge à Bergerac. Merci. J'ai remarqué que vous aviez une jeune collaboratrice là, ces dernières semaines. Là, donc, elle ne parlait pas français. J'ai remarqué que vous, votre stagiaire Camilla, vous parliez anglais avec elle. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette jeune personne, s'il vous plaît? Oui, donc c'était une jeune fille polonaise, Ania, qui est venue passer 15 jours dans le magasin avec donc, sa correspondante Camilla et moi-même. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est passé, vos impressions par rapport à cette expérience en général?
Alors, une très très bonne expérience. C'était la deuxième fois que nous faisions l'expérience. C'est vrai que la langue, du coup, est un peu plus difficile parce que je ne suis pas une pro en anglais non plus. Mais non, elle a bien compris. On arrivait à se faire comprendre. Elle était très souriante, très aimable. Donc vraiment, une très très bonne expérience. Puis j'espère que ça lui a appris aussi pas mal de choses sur les magasins en France. Par ailleurs, est-ce que vous avez, vous, eu l'occasion d'apprendre des choses sur sa vie en Pologne, sur ses études, sur peut-être ses stages précédents dans des magasins là-bas, peut-être ? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler ? On a parlé un petit peu de sa famille, on a parlé de la vie là-bas, donc de son enseignement. Mais c'est vrai que non, les stages, elle ne nous a pas parlé de ses précédents stages. Non. D'accord. Une dernière petite question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que ce type d'expérience, donc pour les jeunes gens, est bénéfique sur le plan professionnel ? Donc, est-ce que c'est une expérience, donc travailler à l'étranger, qui peut aider peut-être à trouver du travail ou à développer des compétences particulières ? Votre avis de directrice de magasin, s'il vous plaît. Oui, je pense que c'est de toute manière c'est bénéfique pour eux parce qu'ils voient il y a un autre mode de travail que ce qu'ils ont l'habitude dans leur pays, que ça soit donc nous les stagiaires françaises qui aillent là-bas ou les stagiaires polonaises qui viennent ici, ça leur montre vraiment toutes les techniques de travail qu'il peut y avoir dans tous les pays et je pense que ça leur apporte pour leur ouvrir les portes pour différents emplois. Après, c'est toujours un panel plus important que travailler juste dans les petites boutiques en France, quoi. Bon, mais merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous et à bientôt aussi. Alors, what's your name? How are you? Fine. Okay, what are you doing in France? Did you like it? Okay, so do you think you'll be back to France for a holiday or? Okay. Merci, au revoir. Je suis Camila Fekirini du lycée Jean Capel. J'ai 16 ans. Je suis en bac pro commerce en dernière année. Est-ce que tu as appris des choses sur la Pologne, puisque c'est un pays qu'on ne connaît pas très bien en France? Est-ce que tu as eu l'occasion de partager sur son style de vie, sur ses études, sur même le travail en magasin, ses stages précédents? Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec elle à ce sujet? Sur quelques trucs, oui, mais vaguement. Parce que c'est pas du tout comme en France. Elle m'a appris quelques mots en polonais. J'ai appris quelques mots en français aussi. D'accord. Est-ce que cette expérience te donnerait éventuellement envie, toi, d'aller faire, par exemple, un stage à l'étranger après ton bac, par exemple ? Ah oui, parce que découvrir une autre culture, c'est vraiment très enrichissant. D'accord, merci. Au revoir. Je suis Annie Chassin, la gérante du magasin Jiffy. Donc, c'est avec joie que nous avons pu accueillir Justinia. C'était la première fois que je participais à cet échange. Et donc, un peu de crainte par rapport à la langue, mais Justinia nous a apporté que du bonheur, puisque d'abord son sourire, et puis elle a beaucoup participé à diverses activités avec le sourire, la spontanéité. Donc pour nous, ça a été vraiment un échange très sympa. En tant que chef d'entreprise, est-ce que c'est une expérience que vous conseilleriez aux jeunes Français qui étudient le commerce en France et quels sont les bénéfices qu'un jeune peut tirer de cette expérience-là sur un plan peut-être plus professionnel ? Ah oui, là je trouve que c'est vraiment un échange sympathique. D'une part parce que ça permet de s'ouvrir sur l'Europe, etc. Et en plus, toutes ces expériences d'échanges dans le commerce, c'est nécessaire. Ça fait ouvrir toutes les voies. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Merci. Merci à vous. Hey, good morning. What's your name? My name is Susanna. Okay, what are you doing in France? I work placement. All right, where? In Jiffy. Which town? Paris? In Paris? No, in Bergerac. All right. Did you like it? Yes, very like there was very amazing people. All right. Okay. Awesome. All right. Would you like to go back to France for a holiday, for example? Yes, why not? Okay, fine. Au revoir. Donc je suis venu plusieurs fois au magasin ces dernières semaines, j'ai remarqué que vous aviez une jeune collègue qui parlait pas français. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus, s'il vous plaît?
Tout à fait, elle était polonaise. C'était donc une stagiaire qu'on a accueillie durant 2 semaines et qu'on lui a appris un petit peu ce qu'il fallait faire dans le magasin. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé en général? Est-ce que vous avez apprécié cette expérience? Est-ce que vous avez été confronté à des difficultés? Ou est-ce qu'il y a eu des aspects plus sympas, peut-être au-delà même du travail, hein, sur le plan perso? Est-ce que vous avez pu faire connaissance davantage, peut-être apprendre des choses sur sa culture? Elle était très gentille, très mignonne aussi d'ailleurs. Après, au niveau du... Ouais, j'ai pu discuter un petit peu avec elle au niveau personnel aussi. Puis on lui a appris quand même pas mal de choses. Donc ouais, ça s'est super bien passé globalement, moi j'ai apprécié. Ok, merci. Et toi Kevin, t'as eu l'occasion d'apprendre un petit peu le polonais ou peut-être de lui enseigner quelques mots en français? Bon, on a parlé un peu ensemble. J'ai essayé de traduire un peu, c'était difficile. Il y avait Thomas qui m'aidait pour traduire. Sinon ça va, ils étaient sympas, on a parlé un peu. Ok, est-ce que ce type d'expérience vous donnerait envie éventuellement d'aller faire un stage à l'étranger, en Pologne ou ailleurs, hein, après votre bac? Ah, aux États-Unis quand vous voulez, hein, vraiment. Et ailleurs aussi d'ailleurs. Et toi? Oui, faudrait que j'apprenne un peu plus l'anglais. Ok, merci beaucoup messieurs, et au revoir, et bientôt. Merci à vous, au revoir. Au revoir, merci. Super. Alors oui, Justina a été ici avec nous pendant 2 semaines, au cours desquelles elle a travaillé avec moi, et ainsi qu'avec Thomas et Kevin. Et voilà, donc elle a travaillé avec moi dans tout le rayon jouet, donc sur l'implantation, et voilà, ça a été une expérience, aussi bien pour moi que pour mes stagiaires qui était avec elle tout le long des journées. Et ça nous a permis un petit peu de travailler sur notre anglais. Oui, d'accord. Donc maintenant, si je comprends bien, vous êtes totalement bilingue après ces 2 semaines de prise en charge. Ah oui, tout à fait. Là, maintenant, on peut partir à l'étranger, aucun souci, on peut partir. J'imagine que vous avez une clientèle touristique également, puisqu'on est à Bergerac, donc il y a beaucoup de Britanniques ou d'autres nationalités. Est-ce que vous utilisez l'anglais dans le cadre de votre travail quotidien? Oui, souvent. Et bien souvent, au cours des saisons estivales et hivernales, lorsque les Anglais viennent pour prendre leurs affaires de Noël ou acheter une piscine ou quoi que ce soit, il s'agit de ressortir les cours d'anglais. Ok, merci. Juste une dernière petite question. Donc au-delà de l'expérience professionnelle, est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec Justina et d'apprendre peut-être des détails sur sa vie personnelle, sur son style de vie en Pologne ou peut-être ses perspectives d'avenir? Ou est-ce que vous avez eu l'occasion de partager sur des domaines peut-être plus personnels? Alors sur ses perspectives d'avenir, elle m'a dit qu'elle souhaitait travailler dans un magasin déjà. Donc ce qui l'a aidé pas mal ici. Ensuite, on a beaucoup parlé au sujet des relations entre Pologne et France par rapport aux clichés, parce qu'on a beaucoup on a quand même pas mal de clichés sur les Polonais, vont savoir vis-à-vis d'eux de quoi il s'agissait, vis-à-vis de la culture, les mœurs. Et voilà. Ben, merci beaucoup pour votre contribution et à bientôt, au revoir. Nouvelle star première. Bonjour, donc oui, c'est Biocop à Bergerac. On est en reprise d'entreprise, on reprend les salariés et la boîte. Donc c'est un projet très ambitieux et très intéressant. Dans le même temps, on a des stagiaires qui viennent de Jean Capel et d'autres lycées et d'autres professions qui nous aident beaucoup et qu'on espère aider beaucoup aussi. Là, je prends la parole aujourd'hui pour vous parler d'un échange avec des étudiants polonais qui a été riche d'expériences, d'émotions aussi. Donc on avait Paulina et donc Alexane et Paulina, une petite étudiante polonaise, qui sont venues pendant 2 semaines, où Alexane reste un peu plus longtemps. C'était riche d'échanges. Toi, ça t'a amélioré ton anglais pas mal, je pense. Nous aussi, parce qu'il a fallu qu'on s'y mette. Des cultures différentes, mais la même envie du commerce et de converser avec les gens et de les aider dans leurs questionnements. Parce que Biocop, c'est ça aussi. On n'est pas, juste de la grande distribution. On a un rapport avec le client qui est très proche. Donc je pense que les élèves ici ont la possibilité de travailler cette partie-là du commerce. Quoi. On a essayé d'entrer en contact avec Paulina pas mal. Elle nous a surtout fait rire. On a plus échangé du coup, parce qu'il y a quand même la barrière de la langue. C'est de jeunes gens, quoi, hein, ils ont 17-18 ans. Donc on a plus échangé sur des musiques, sur Internet. En tant que professionnel,
Est-ce que vous pensez que ce type d'expérience donc, est à conseiller pour les jeunes gens, même français, ou donc d'aller faire des stages à l'étranger? Est-ce que vous pensez que c'est non seulement sur le plan culturel, mais aussi au niveau des perspectives d'avenir professionnel, est-ce que vous pensez que c'est une expérience qui peut être bénéfique, notamment pour nos élèves et avec lesquels vous travaillez également? Oui, en effet, je pense que c'est une expérience très bénéfique d'échanger avec différentes cultures et voilà. D'une part, dans un premier temps, de former nos jeunes. Oui, ça nous demande du temps, ça nous demande de l'énergie, mais je pense que c'est nécessaire. C'est notre avenir et puis c'est super intéressant aussi pour l'entreprise. Et là, avec la dimension polonaise, du coup, on a d'autres cultures, d'autres fonctionnements. Voilà, c'est très enrichissant pour nous et pour les jeunes. Ouais. Je pense qu'il faut continuer. Merci beaucoup. Donc, vous allez nous chanter une petite chanson maintenant, s'il vous plaît? Non, pas du tout. Merci. Très bien. Hello. What's your name? Cześć, Siema. Cześć, nazywam się Paulina. Dawaj. I więcej wam nie powiem, bo po prostu... Bergerac 2014. Yo, pozdrowienia dla wszystkich ziomeczków. Je m'appelle Alexa Nanke, je suis au lycée Jean Capel à Bergerac, en terminale commerce. Et je travaille à Bio. Oui, je lui ai appris quelques mots en français. Donc après, quand on fait surtout des dégustations, voulez-vous goûter ou bonjour, merci, de rien. Oui, je lui ai appris plein de mots en français. Elle m'a appris des mots en polonais. Je voudrais partir en Pologne parce que j'ai des origines polonaises et découvrir le pays. Quoi. Voilà, je vais me présenter, je suis Nathalie Carly, responsable adjointe du magasin MS Mode. Donc voilà, donc on a travaillé avec le lycée Jean Capel. Du coup, ils nous ont proposé de prendre en stage une Polonaise. Et en fin de compte, nous on a accepté. Et du coup, ça s'est super bien passé. On a été très, très agréablement surpris. Professionnellement, elle nous a bien aidés. En plus, à ce moment-là, elle est venue, on a changé tout le VM du magasin. Donc elle, du coup, elle avait assisté au visuel merchandising. Donc ça lui a fait un petit plus, elle a connu ce que c'était un peu notre métier de vendeuse. On a communiqué en anglais. Donc en fin de compte, et pour nous, et pour elle, c'était bien parce que en fin de compte, ça nous apprenait un peu plus la langue. Après du travail, c'était la journée, donc en fin de compte, elle faisait et de la vente, comme on a une clientèle beaucoup anglaise, donc c'était bien parce qu'en fin de compte, elle nous apprenait à nous développer l'anglais. Ça apporte beaucoup et moi, je le conseille de le faire, de partir. Angelica, practice. Nice. All right. Perfect for a holiday or for work. Yes. Okay. You are
are so beautiful to me. Bonjour, je me présente, donc je suis Frédéric Bion, le directeur du magasin d'Arty de Bergerac. Donc nous avons accueilli Robert l'année dernière lors de l'échange Leonardo da Vinci, mobilité, si je ne me trompe pas. Et donc c'est avec plaisir qu'on a pu accueillir ce jeune dans notre établissement, dans le cadre du stage de Théo, que nous avons donc accompagné déjà depuis à plusieurs reprises au niveau de ces stages. Et donc pour nous c'était naturel de poursuivre l'expérience avec ce jeune qui venait donc de Pologne. Voilà, ça s'est bien passé. C'est vrai que ben justement, l'intérêt de ce genre d'expérience, c'est de pouvoir déjà essayer d'échanger dans une langue qui n'est pas notre langue d'origine, maternelle. Et c'est vrai que ne serait-ce que pour le jeune Théo que nous avons accueilli, je crois que ça l'a aidé aussi, lui, à développer un petit peu l'aspect linguistique pour l'échange. Et en ce qui concerne Robert, oui, ça s'est bien passé aussi. Oui, évidemment, c'était principalement toujours en anglais. Ici, dans l'entreprise, on a des personnes qui parlent anglais, plus ou moins bien selon les personnes. Mais oui, ça a permis de pouvoir faire des échanges. Je crois que c'était bénéfique pour tout le monde, aussi bien pour le jeune qui est venu chez nous que pour nous. Voilà, donc justement, dans ce cadre-là, on a eu à plusieurs reprises la possibilité de voir le jeune homme pouvoir accueillir les clients d'origine anglophone, puisque c'est vrai que sur notre région bergeracoise, sud d'Ordogne, nous avons une partie de la clientèle assez importante qui est anglophone. Et donc, dans ce cadre-là, bien, c'est vrai que les personnes qui se sont présentées en anglais ont eu le plaisir d'être accueillies par un jeune homme polonais qui leur parlait en anglais aussi. Et voilà, c'est une expérience intéressante, c'est pas mal. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument encourager, tout simplement parce que l'échange des cultures, l'échange des modes de travail dans les différents pays que compose l'Europe, il y a beaucoup de choses à apprendre, je pense, de tout le monde. C'est enrichissant aussi bien pour les jeunes polonais que pour nous. Si j'ai bien compris, il y a des jeunes de Bergerac qui partent également en Pologne. Oui, c'est évident, il faut l'encourager énormément. De nos jours, on ne peut pas, enfin c'est mon avis personnel, on ne peut pas rester enfermé sur une façon de travailler franco-française. C'est pas comme ça que je vois les choses. Je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir et on en a vraiment bien besoin, je pense, en ce moment. Donc voilà, c'est une très très bonne idée, évidemment. Ouais. Hello, my name is Robert. I'm working in Balti, you can see. It's great, I think. Now, I don't know what to say. My name is Rita. Mm-hmm. What do you do here? Working. You like it? Good experience? It's very good with French people. Sometimes all five. Okay. Very nice. Okay. Do you think you will go back to France for a holiday? Mm-hmm. Okay. Interesting. Au revoir. Au revoir. What are you doing in France? I work in shop. All right. Yes. Did you like it? Yes, it was very fun. Okay. Do you think you'll be back to France one day? Yes. Maybe in future when I have family. I see. Thank you. Au revoir. Au revoir. Donc Jessica, donc je suis responsable du magasin Eram à Bergerac. Donc j'ai accueilli au mois de septembre la jeune Justina avec son binôme Michael. Et c'est vraiment une expérience vraiment très très enrichissante, que ce soit pour eux, pour nous, pour le commerce. Vraiment une très bonne expérience à renouveler. Parfait. Oh hello. Do you speak English? Oh, you. What's your name? What's your name? Uh-huh. Where do you come from? I'm from Poland. Okay, and what? From what North Poland. All right. What are you doing in this shop? I work. Oh, really? Uh-huh. Yes. So how long did you stay here? 2 weeks. Uh-huh. It's my last day here. All right. Did you like the experience? Yes, I want to stay. Okay. Yes. Uh-huh. So why don't you stay? Why? Because I can't. I have school. All right. So probably you'll be back for a holiday. Maybe. Oh, if my parents agree, yes, why not? Okay, so thank you for speaking with me. Oh, and thank you. Au revoir. Au revoir. Je m'appelle Mickaël Laville, j'ai 17 ans. Et je suis au lycée Jean Capel. Tu as participé à l'échange franco-polonais récemment. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça s'est passé, ce que tu en as pensé? Ça s'est plutôt bien passé. C'est quelque chose qui nous donne quelque chose en plus. C'est pas... Je sais pas vraiment comment expliquer. C'est vraiment quelque chose, d'en fait, qui est personnel, qui aurait dû être un gros échange, mais pour moi, c'était assez personnel.
Avec ma correspondante, on a beaucoup parlé et j'ai appris beaucoup de choses sur la Pologne, qui est très enrichissant, on va dire. C'est intéressant, ça. Donc, vous avez beaucoup parlé, mais vous avez parlé en anglais, j'imagine. Oui. Elle m'a appris un petit peu le polonais, mais l'anglais, c'était beaucoup plus facile. Oui, et donc, c'était facile pour toi de communiquer en anglais pendant... Je crois qu'elle est restée 2 semaines. Hein. Ouais, elle a resté 2 semaines. Disons qu'en anglais, j'ai un niveau... Enfin, j'ai un niveau scolaire A2, c'est un niveau bien quand même. Mais elle était beaucoup plus perfectionnée, comme tous les Polonais qui étaient quand même beaucoup plus forts que nous en anglais. Et du coup, quand j'arrivais pas à trouver des mots ou des phrases, elle arrivait quand même à me comprendre. Enfin, on se comprenait même sans parler des fois. Ok, est-ce que tu as toujours des contacts avec elle, Facebook ou autre, ou est-ce que vous appelez, est-ce que vous communiquez par Skype ou... Alors, pas par Skype, mais par Facebook, ouais. Et on s'appelle aussi via Messenger. Ça dépend, pour prendre des nouvelles, voir comment ça se passe et voilà. Donc ok, donc c'est une collègue de travail qui est devenue une amie en quelque sorte. Oui, ouais ouais. Est-ce que ce type d'expérience te donne envie toi d'aller éventuellement faire des études ou faire un stage à l'étranger après ton bac? Mais j'avais pris connaissance déjà d'un stage à l'étranger qui dure 6 mois. Il faut un bon dossier, un bon appui, mais ça serait pas mal, ça apporterait quelque chose de vraiment bien. En compagnie de jeunes Italiens qui nous viennent de l'école hôtelière de Riolo Terme, à côté de Faenza, avec laquelle Bergerac est jumelé. Est-ce que tu pourrais te présenter d'abord en français, s'il te plaît? Okay. Je m'appelle Raffaele, et j'ai 19 ans et je viens d'Imola, une ville near Bologna, et je vais à l'école de Riolo Terme. Ipsar Alberghiero, Riolo di Pellegrino Artusi. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as voulu venir faire ce stage en France? Pour quelle raison? In italiano. Allora, ho deciso di venire in Francia perché, diciamo, volevo un po' uscire da quello che era la cucina italiana per esplorare e conoscere altri metodi di cucina, altre preparazioni, altre tecniche, e poi anche perché comunque è sempre un'esperienza nuova, ti porta a conoscere sempre nuove persone e fa sempre piacere, è sempre bello, soprattutto quando vieni trattato molto molto bene, come appunto sta succedendo al Bistro D. E niente, direi che queste sono le principali motivazioni. Che pensi di questa esperienza? Cosa penso? In italiano? Ok. Ah, che mi sto trovando davvero bene e penso che la rifarei e la proporrei molto volentieri a tutti quelli della mia scuola e delle scuole alberghiere qui attorno, qui vicino, non lo so. E direi... Nient'altro, solo buone, solo buone notizie. Merci. Donc, en fait, est-ce que cette expérience te donnerait envie d'aller travailler en tant que cuisinier à l'étranger? Allora, la mia idea principale, il mio progetto è di andare a lavorare in Australia finita la quinta. E poi ho altre proposte, però sicuramente non penso che rimarrò in Italia, ma soprattutto per vedere, conoscere piatti nuovi, cucine nuove e scoprire sempre di più quello che è la cucina un po' in tutto il mondo. E une dernière question, et le français alors dans tout ça, comment ça se passe? Est-ce que tu peux communiquer en français? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que parle-nous un petit peu de la langue? È un po' difficile, diciamo che i primi giorni non è mai facile, ti devi un po' abituare, sentire le persone che parlano, i mal di testa perché non capisci, e dopo col passare del tempo inizi più o meno a comprendere, riesci anche a rispondere. Poi c'è da dire che
le lingue straniere che comunque ti insegnano a scuola non sono mai a livello da poter poi riuscire magari a parlarle fuori nel posto in cui viene parlata la lingua. Cioè, la impari ovviamente, come dicono tutti, dove vai la impari. Ciao, arrivederci. Canal Purpre. Le nom de la télévision Canal Purpre. Ok. Je m'appelle Michael et je suis de Bologne, mais d'origine je suis de Bari. Et je travaille ici da 3 semaines et je me trouve très bien et c'est beau. C'est le restaurant où j'ai travaillé et c'est beau. J'ai choisi de venir en France parce que c'est une opportunité pour améliorer mon langage français et pour l'expérience que l'école m'a garantie pour crescere e per fare nuove esperienze. L'esperienza è très belle, ma è un po' difficile parce que je ne comprends ancora bien le français, ma c'è una sfida, diciamo, per noi studenti italiani venire qui e imparare francese e vedere le differenze fra l'école italiana e l'école française e le travail français, le travail italien. Oui, in Italia, un futuro je voudrais aller à travailler fuori dall'Italia parce que in Italia je ne travaille beaucoup. Et un jour je tourne en France ou en Spagne. C'est il nostro sogno, diciamo, ritornare un giorno all'estero e incominciare una nuova vita, diciamo. Arrivederci e buon proseguimento scolastico. Canal Purpre, TV Pays Bergerac. Mi chiamo Ludo Rial, travaille all'hotel Edward, a Bombardier, 3 piani, un buon stage. Volevo cambiare un po' e volevo vedere, conoscere, cioè volevo fare una nuova esperienza. E invece eccola qua, come mi è venuta a chiosa, le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le. Je m'appelle Katia Bloch, je suis gérante ici au Bistrot 2. On a ouvert toute l'année et on habite ici et on travaille au Bistrot 2 toute l'année. Merci. Donc vous accueillez au sein de votre entreprise 3 jeunes stagiaires italiens donc, qui viennent de l'école hôtelière de Riolo Terme avec laquelle nous sommes en partenariat. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'intégration de ces 3 jeunes au sein de votre entreprise? Comment ça s'est passé? Là, ça fait 3 semaines qu'ils sont là. Est-ce que vous avez vu une évolution? Comment ça se passe, s'il vous plaît? Alors les trois stagiaires sont arrivés ici il y a 3 semaines. Ils sont arrivés très jeunes pour le premier... expérience à l'étranger. Alors les premiers jours c'était surtout pour intégrer dans la vie française. Alors, on a d'abord déjà montré les supermarchés par exemple, ça marche différemment qu'en Italie, les horaires sont différents. Alors les premiers jours sont surtout pour intégrer dans la vie française et pas trop dans l'entreprise. Et après 3 jours, 4 jours, on dit toujours, bon, maintenant vous êtes un peu plus installé, on va commencer avec intégrer dans l'entreprise. Et après 1 semaine, ça va mieux avec le français, ça va mieux, les jeunes connaissent l'entreprise, ils connaissent la porte, ils connaissent le pub, ils connaissent le village. Et là, on commence avec travailler dans le métier, dans des choses comme ça. Alors, ça évolue dans 3 semaines, c'est très court, mais ça progresse, ça c'est bien. En tant que professionnel, est-ce que vous pourriez nous expliquer, peut-être par rapport à votre expérience personnelle également, dans quelle mesure c'est important pour des jeunes gens qui travaillent dans le domaine de la restauration de participer à ce type d'expérience internationale? Pourquoi cela peut-il constituer un avantage pour une perspective de carrière, par exemple?
Alors, moi aussi, je suis commencée il y a 6-7 ans pour la première fois à l'étranger pour une première expérience. Je pense que déjà, personnellement, c'est bien de faire une expérience comme ça parce que vous sortez de la maison, de pays... De votre pays, c'est déjà une bonne expérience pour prendre l'avion, pour découvrir une autre pays. Je pense d'être pas chez vous, ça donne beaucoup de possibilités de sortir de la maison. Ça, après quelques années, vous voyez que c'est bien de voir un autre pays, d'être, de voir que vous pouvez vivre toute seule. En fait, c'est bon. C'est une bonne expérience, je pense, pour tout le monde. Et une dernière question, peut-être. J'ai entendu dire que vous aviez d'autres stagiaires, d'autres nationalités au sein de votre structure. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et nous dire donc de quel pays viennent tous ces stagiaires et même peut-être des années précédentes, voilà, s'il vous plaît. Alors, comme je vous dis, moi, je suis commencée aussi pour la première fois dans un autre pays et je pense que c'est bien d'avoir des entreprises qui donnent la possibilité d'avoir des stagiaires parce que tout le monde a besoin d'une première expérience pour devenir grand dans le métier. Alors, dans notre étage, on a quelques chambres et c'est pour ça qu'on peut accueillir les stagiaires. L'année dernière, on a eu des stagiaires de États-Unis, de Pays-Bas, France, Italie, et ça c'est un peu tout. Cette année, on a une stagiaire de Pays-Bas aussi, on a eu une stagiaire pour 2 mois de Pays-Bas, 2 fois italien, beaucoup de pays. Je suis Guy Fournier, le président de l'association Bergerac Faenza de jumelage. Je m'occupe de cette association depuis une dizaine d'années et disons que dans nos principes de base, on avait très envie de faire des échanges scolaires. On avait prévu dans les 10 ans qui venaient de faire des échanges. C'est toujours très difficile à faire et on a trouvé un partenaire qui nous a bien suivis, qui est le lycée Jean Capelle à Bergerac. On est à entre 5 et 10 personnes en échange, c'est-à-dire échange des Italiens qui viennent à Bergerac et des petits Bergeracois qui vont en Italie. Donc ça se passe très bien. Et c'est le but recherché, c'est de continuer, d'essayer de développer cette idée qui, à mon avis, est géniale. C'est très bon pour la jeunesse. Que puis-je dire ? Disons, ils sont très bien accueillis à Bergerac et je sais qu'en Italie ça marche parce que j'ai des échos avec mon homologue italien à Faenza qui me dit à tous les coups ils sont reçus dans les restaurants et que ça marche bien. À Bergerac, bon, disons, on a la chance de les connaître donc on sait où on les met et ça c'est important et on peut les suivre. Sur place, ils sont suivis par l'école Jean Capelle et puis par l'association. Donc en deux mots, on pourrait dire qu'on est très heureux de cet échange et nous espérons continuer de le faire pendant quelques années encore, même de nombreuses années si c'est possible, même le développer parce que je crois qu'il est bien au point de vue de l'Europe, il faudrait avoir 3 pays et je crois que Jean Capelle est déjà paré de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il fait des échanges, je crois savoir, avec l'Allemagne et puis avec la Pologne, hein, c'est ça. Bon, alors nous sommes arrivés en trio derrière, voilà, tout va bien, souhaitons encore 10 ans que ça marche. Ma tu non ti si riconosci neanche. Ne è troppo chiaro tu. Je m'appelle Giuseppe Ciotola, j'habite à Imola et j'ai 18 ans aujourd'hui. Giuseppe, est-ce que tu pourrais nous expliquer pour quelles raisons tu as souhaité venir faire ce stage en France? Parce que j'ai cru que travailler dans un autre pays, c'est une expérience formative supérieure pour la personne. Et je crois que connaître plus langue, c'est très important. Qu'est-ce que tu penses de cette expérience? Est-ce que c'est difficile ou est-ce que tu es habitué à travailler dans des restaurants de ce standing ou dis-nous un petit peu ce que tu penses de cette expérience. Je pense que cette expérience c'est plus difficile pour moi parce que je n'ai jamais travaillé pas dans
Gemma travaillait pas dans un restaurant étoilé. Et la typologie de service est très différente. Et pour moi, c'est un peu difficile parler français parce que les clients, pour les clients, expliquer les plats, pour moi, c'est difficile parce que la prononce, c'est difficile. Par rapport donc à ton expérience de la langue française, du français, est-ce que tu as l'impression d'avoir progressé depuis que tu es arrivé? Oui, je crois que ma langue s'est améliorée parce que quand je suis venu ici, deux semaines derrière, ça a été très difficile et en ce moment, c'est plus facile pour moi de parler. Est-ce que tu as eu l'occasion de découvrir la ville de Bergerac également? Et également, est-ce que tu as eu des contacts avec des Français autres que tes collègues, par exemple à l'école, etc.? Et je suis allé à visiter la ville de Bergerac. C'est une ville très jolie, un peu petite, mais c'est très joli. Et je suis été surtout dans le lycée Jean Capel et j'ai connu des personnes, des garçons français très, très sympas. Et j'ai eu l'occasion de parler français et de connaître un peu de langue. Cette expérience de stage en France, t'a-t-elle donné des idées pour, dans le futur, aller travailler dans un pays étranger, autre bien sûr que l'Italie, dans le monde entier, aux États-Unis, revenir en France peut-être, pourquoi pas? C'est une difficile question. Et je crois que découvrir, voyager, c'est très important pour une personne. Et travailler, c'est plus important encore. Grâce à ce travail, j'ai l'opportunité de travailler et voyager. Et je pense que en futur, je peux faire quelques expériences comme ça. Canalpropre.info TV Pays Bergerac. Non, c'est trop clair et tu sei già troppo grande. Io continuo a parlare di te. Bonjour, je m'appelle Marco, je travaille à la Tour de Van pour moi en stage. Et j'aime la cuisine française et c'est le motif pourquoi je suis venu ici. Merci Marco. Est-ce que donc ça fait deux semaines et demie que tu travailles à Montbazillac donc, est-ce que tu pourrais nous dire globalement ce que tu penses de cette expérience? Est-ce que c'est difficile de travailler dans un restaurant comme celui-ci? Est-ce que techniquement il y a des choses que tu as apprises? Est-ce que tu peux nous en dire plus s'il te plaît? Et la technique d'un restaurant étoilé? Étoilé, c'est plus différent qu'un restaurant italien. C'est plus élaboré, compliqué, les aliments sont différents. Et à propos de la langue française, du français, est-ce que c'est difficile pour toi qui es italien de t'exprimer en français, de comprendre? Et est-ce que tu as observé une évolution entre le début de ton séjour ici et maintenant? Est-ce que tu as progressé en français? Non, la langue française c'est similaire à l'italien, mais un peu plus compliqué. Mais après plus d'un mois, je peux comprendre tout. C'est le motif pourquoi je veux retourner. Et une dernière question. Est-ce que cette expérience va te donner envie d'aller travailler à l'étranger, dans un autre pays, autre que l'Italie, dans l'avenir proche? L'Angleterre, Londres, New York sont des villes très grandes, très jolies. J'espère d'aller. Ciao a tutti. Ciao. Canalpropre.info TV Pays Bergerac. Grazie mille.
chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze.